1, 2. Tout le monde m'entend bien, c'est bon ? Très bien, donc bonjour, je m'appelle Sergueï, je suis d'une entreprise qui s'appelle Dualo. Le logo est affiché ici, voilà. Alors Dualo, c'est quoi ? C'est une petite start-up qui est basée à La Courneuve, on est 8, et on a conçu un instrument de musique qui est ici, qui est conçu autour d'une nouvelle disposition des notes. En réalité, c'est un instrument qui est conçu pour rendre la musique plus accessible à tout le monde. Alors, vous allez me dire, alors mon Dieu, c'est la musique, c'est un sacré défi. Et vous avez raison. L'idée, c'est qu'en fait, on a conçu un instrument de musique autour d'un nouveau clavier. L'idée, c'est de voir la musique, de mieux la comprendre, en fait, puisque tout le monde sait que la mémoire visuelle est très efficace, et dès qu'on la mêle, évidemment, à la mémoire auditive, c'est encore plus efficace. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu loin, mais en fait, vous voyez que le clavier est divisé en deux. Vous connaissez tous Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en réalité, le clavier est divisé de cette façon-là, sur cette logique. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, on sépare en deux. Ça va, j'ai perdu personne. Et en fait, voilà, une note sur deux en musique, ça fait des tierces. On a Do, Mi, Sol. Tout le monde sait que Do, Mi, Sol, voilà, c'est un accord. En fait, en réalité, on peut faire un accord très facilement. Voilà, on fait trois notes qui suivent sur le clavier et ça fait un accord. Alors en musique, vous savez qu'il y a des accords majeurs et des accords mineurs. Donc l'accord majeur, c'est un petit triangle vers l'avant, comme ça. Et un accord mineur, c'est pareil, mais c'est vers l'arrière. C'est beaucoup plus simple que sur un piano, en réalité, parce que sur un piano, on calcule toujours un petit peu quels sont les écarts à chaque fois. Et alors, ce qui est bien avec ce clavier aussi, c'est que les gammes sont directement affichées sur le clavier. Donc là, par exemple, on a un petit chemin vert et orange. Alors, tant qu'on joue dedans, tout va bien, on joue correctement, disons. Alors, autour de cet instrument de musique et de cette disposition des notes, en fait, on a tout un instrument de musique. Donc, on va pouvoir choisir un son. Au-dessus, on a un petit écran. Et donc, on a deux boutons. Un bouton, choisir un son. Donc là, chaque touche, c'est un instrument de musique. Donc, il y a le nom qui s'affiche à l'écran. Et donc, par exemple, là, j'ai pris une batterie. Il y a plein de sons qui sont disponibles. Hop. Et donc l'élément qu'on a ajouté en fait à cet instrument, c'est qu'on peut enregistrer des boucles et faire des morceaux complets. Alors je tape au milieu comme ça, ça va démarrer un enregistrement à la première note que je fais. Donc là je vais faire un petit shaker très simple. Vous voyez, j'ai joué deux petites notes, là c'est en boucle. Donc là je vais faire exactement la même chose avec d'autres instruments. Donc là par exemple je choisis une basse. Voilà. Alors du coup, soit on attend les autres membres du groupe pour arriver et jouer de la guitare, du piano, ou on la fait nous-mêmes. Par exemple, là, je fais un truc assez simple. Et alors du coup, vu qu'on a la gamme qui est sous la main, on peut improviser sans problème. Hop. Ça manque un peu de peps, hein. Voilà, donc après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser avec ces boucles. Je coupe la batterie, comme ça on se fait un petit break. Alors on a des petites choses en bonus évidemment, c'est pas tout, et on a toujours des choses en plus. Donc là par exemple, dans cet instrument on a une banque de sons qui est intégrée directement dès que l'instrument est livré, mais on peut mettre ses propres sons à l'intérieur, donc on a toute une communauté de joueurs en fait, qui crée des morceaux, qui crée des sons, et on se les échange, on se les partage, et on peut mettre, tout et n'importe quoi à l'intérieur. On peut même jouer du chat qui sur lequel on a tiré la queue, bon voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut se partager des morceaux. Alors, par exemple, ce que je viens de faire ici, c'est un petit fichier. Et ce petit fichier, on va pouvoir le partager, du coup. Et un autre joueur va le mettre dans son instrument. Donc, pareil, il va retrouver les boucles. Il va se dire, OK, c'est cool, j'aimerais bien apprendre les accords de clavier, là, que tu as fait. Ceux-là. Alors, on a juste à faire, on double-clique sur la boucle.
en fait, vous voyez que les notes s'affichent directement sur le clavier. Ça permet d'apprendre très facilement, un peu à la Guitar Hero, si vous connaissez. Évidemment, si c'est trop rapide, ben, on diminue le tempo et on apprend à son rythme. Alors, sur le même principe, en fait, on est en train de développer maintenant, pour l'année prochaine, un espèce de jeu qui est basé sur ce principe et qui va nous demander à chaque fois de jouer quelque chose en rythme. Par exemple, une grosse caisse, une caisse claire, etc. Et du plus simple au plus compliqué, on va nous apprendre à jouer un morceau, donc que ce soit de la salsa, du reggae, du calypso, etc. Donc c'est toute une méthode d'apprentissage de la musique, totalement accessible. Et bon, évidemment, il faut acheter l'instrument. donc voilà. Et alors aussi, c'est un instrument de scène. On a deux modèles, on a un petit modèle et un grand modèle, et un instrument de scène parce que on peut aussi s'amuser à, avec un gyroscope par exemple, ou même. Vous voyez, surtout quand en fait on a conçu un instrument face au public. On se dit pas comme ça, mais en fait tous les DJ par exemple, quand ils font de la musique, eh ben ils sont derrière leur platine, on voit jamais ce qu'ils font, ils tournent leur potard, on ne sait pas ce qu'ils font. Là, on a orienté le clavier vers les gens, comme ça, les gens voient très bien ce qu'on fait. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être. Alors, le prix, voilà. C'est une question qui fâche. Le prix, en fait, on a eu une première version il y a 3 ans, grande, qui est à 899 €. Et en fait, on a divisé la taille en deux et le prix, donc 499. Pour la petite version. Donc les deux font sensiblement la même chose. Il y a juste, on peut faire un peu moins de boucles, on peut mettre un peu moins de son à l'intérieur, mais ils font sensiblement la même chose. Donc voilà, si vous voulez venir essayer, venir même nous poser des questions, etc. On est tout de suite en sortant à gauche et on a le stand qui s'appelle Dualo. Voilà, Dualo. Bah merci Sergueï.